La Libella, ville du nord de l'Éthiopie, est connue pour ses églises monolithes et la célébration de la Géna, la naissance de Jésus-Christ, qui a lieu ici chaque 7 janvier, selon la tradition orthodoxe. Cette année encore, les pèlerins étaient nombreux à avoir participé à la veillée et aux 43 jours de jeûne qui précèdent cette fête. Je suis très heureux de célébrer cette fête ici, après avoir traversé une guerre et des souffrances. Je suis venu ici pour célébrer la fête avec la foi que Dieu nous sauvera si quelque chose de mauvais arrive. L'atmosphère était très mauvaise et je ne m'attendais pas à venir célébrer la fête ici. Et quand j'ai appris que la ville avait été libérée, alors j'ai décidé de célébrer Noël à La Libella. Et je voulais aussi respecter mon alliance avec Dieu. Cela me rend heureux et la situation est sous contrôle. En effet, après des mois d'incertitude, La Libella a retrouvé le calme après que les forces éthiopiennes ont chassé les rebelles du TPLF qui contrôlaient la ville depuis août dernier.